Là, il y a cette porte que j'ai jamais ouverte, je crois. Ah non, si, la maison d'Eltharine. J'ai fait un truc, là? Non, je suis jamais allée là-dedans. Et là, on peut aller jusqu'au bout, il y a un truc ou pas? Ça continue après. Garde du chagrin à Pharah. Arves. On n'aura jamais trouvé celui qui fait le guet pour le truc de char, là. Attends, lui, c'est qui? Arves. Wonderful little beast. Nimble as anything. Le merveilleux animal, il est d'une agilité incroyable. Qu'est-ce que vous regardez? Ahem. Ou examiner l'apparence de l'homme. On va examiner. Pour la robe, tu t'es beaucoup moins inquiété du fait de tuer quelqu'un? Non, c'est pas vrai. Oh putain. C'est pas vrai, pour le truc de la robe, j'ai essayé tous les moyens possibles pour ne pas tuer la personne. Nothing stands out about the man. Qu'est-ce que vous regardez? There was a squirrel in the tree. Marvelous creature. Inquisitive and nut-crazed. Il y avait un écureuil dans l'arbre. J'adore ces animaux. Ils sont toujours si curieux et les noisettes les rendent comme fous. Sérieusement, c'est un rongeur arboricole qui vous met dans cet état? Vous avez bu ou vous êtes resté au soleil un peu trop longtemps? Vous vous sentez bien? Vous avez l'air distrait? Ou vous sentiriez bien avec quelqu'un que je connais? Un certain Alcine. Je vais vous faire voter pour celui-là. Ou 4, je me suis liée d'amitié avec plus d'un écureuil par le passé, mais je n'en vois aucun ici. Ou fascinant, je dois y aller. Pour la 5. Je pensais que c'est le même écureuil que celui qui a été témoin de... Bref. Vous entendriez bien avec quelqu'un que je connais, un certain Alcine. Après, les deux marchent bien, hein. Je me suis aussi liée avec des écureuils par le passé. Hein. On n'a pas dit comment. Il y en avait un au niveau à qui on avait parlé et à qui vous vouliez qu'on lui mette un coup de pied, je me souviens. Parce que, alors, pardon, vous me dites que je suis en Evil Run, mais je rappelle que quand on avait croisé cet écureuil au bosquet des druides, vous aviez voulu qu'on lui mette un coup de pied, je rappelle. Donc vous n'allez pas me faire la disquette, là, c'est moi qui fais des choix désastreux, quand vous voulez mettre des coups de pied à des écureuils, d'accord? Ça va bien, ces calomnies. Je me suis liée d'amitié avec plus d'un écureuil par le passé, mais je n'en vois aucun ici. Comme c'est druide, j'ai envie de voir ce que ça donne. Give it time. I had to wait for... Oh, I don't even know how long to catch a glimpse. You wouldn't happen to know where I live, would you? Ah merde, il ne me propose pas le truc pour Alcine. Merde, je voulais pas faire ça. Je me suis liée d'amitié avec plus d'un écureuil par le passé, je n'en vois aucun ici. Un peu de patience, j'ai dû attendre, oh, je ne sais pas combien de temps pour l'apercevoir. Vous ne sauriez pas où j'habite à tout hasard? Pas vraiment, non. Ou je ne crois pas que vous soyez du coin. Qui êtes-vous au juste? Ou vous avez l'air de ne plus trop savoir où vous êtes? Vous n'auriez pas reçu un coup sur la tête dernièrement? Ou demi-dro, vous trouvez que j'ai une tête à être du coin? Ah, parce que le fait que je sois demi-dro, ça joue sur mes relations aussi avec les... Ouais. Alors, demi-dro, vous trouvez que j'ai une tête à être du coin? I don't know. This is more than a lapse, you sense. Something's been done to the man's memories. Il dit je ne sais pas trop. Vous avez la sensation que le problème est plus grave qu'un simple trou de mémoire. Les souvenirs de cet homme ont été affectés par quelque chose, mais quoi? De quoi vous souvenez-vous au juste? Je n'avais pas le jeu. Entre-temps, j'ai fini ma run, néanmoins fan de ce slow run. Oh, la classique, il y a des gens qui ont commencé Baldur's Gate 3 après moi et qui ont fini avant moi. On n'en peut plus. Merci Petit Chat pour le 5e mois de sub, merci beaucoup. Merci Denalise également pour le 23e mois. Baguette, merci beaucoup pour le 53e mois. Petit Pingu pour le 39e mois, merci beaucoup. Non mais c'est vrai. Vous avez la sensation donc que le problème est plus grave qu'un simple trou de mémoire. Les souvenirs de cet homme ont été affectés par quelque chose, mais quoi? De quoi vous souvenez-vous au juste? Ou vous n'avez personne que vous pourriez aller voir? Quelqu'un qui serait en mesure de vous aider? Ou 3, détection des pensées, voilà ce que vos pensées peuvent vous apprendre.
Promprix, je suis employé par la banque de la porte de Baldur. Je viens collecter les intérêts de votre dette. Je sais ce que vous allez voter. Je sais ce que vous allez voter. Eh ben, vous me surprenez. Il y a une cinquième réponse. Oui, je l'ai lu. Vous en allez. Pas très intéressant. Ah, je pensais que vous alliez tous vouloir lui extorquer des fonds. Bon, enfin, quand même, 35 personnes, 36% de personnes qui veulent lui extorquer des fonds. Hein, c'est quand même pas mal, hein. Comment on fait pour voter? Je l'ai pas suivi. Faut être sur PC pour pouvoir voter. Il y a un petit widget qui se rajoute sur le truc Baldur's Gate. Si vous avez pas ça parce que vous êtes sur tablette, téléphone, vous avez la flemme de faire F5, vous pouvez le marquer dans le chat. C'est pas comptabilisé, mais ça me donne un ordre d'idée. Bon, détection des pensées. Elle va encore foirer son jet là. Rien dit. Putain, Starion, il le regarde avec une attitude. The man's mind is a stream of fragmented thoughts, each brushed away by another before it can take purchase. Marvelous day. Not a care in the world. Moira would have loved this garden. Wait, who's she? Oh, il a l'air perdu, le petit, hein. Il a l'air perdu, hein. L'esprit de l'homme est un véritable chaos de pensées fragmentées qui se chassent sans cesse mutuellement sans qu'il puisse s'agripper à la moindre d'entre elles. Quelle merveilleuse journée, pas le moindre souci. Moira aurait adoré ce jardin. Moira ? Qui c'est ça ? 1. Vous connaissez une certaine Moira ? 2. De quoi vous souvenez-vous au juste ? 3. Vous n'avez personne... Ah oui, donc c'est la même réponse. Bon, on va exploiter le G. Vous connaissez une certaine Moira ? Moira ? Yes. No. I don't know. I think I remember a face, smiling, young, then older, then ill, then... No, I don't think so. You must be mistaken, friend. I don't know anyone by that name. Vous connaissez une certaine Moira ? Il répond Moira, oui, non, je ne sais pas. Il me semble me souvenir d'un visage souriant, jeune, puis vieux, puis malade, puis... Non, je ne crois pas. Vous devez vous méprendre. Je ne connais personne qui s'appelle ainsi. De quoi vous souvenez-vous au juste ? Well, I remember I was sad. But in truth, I'm not quite sure what caused it. I'm not even sure I know what sad is anymore. And I came from that building over there. They were very nice to me. Seemed very helpful. Though, for the life of me, I can't recall what I was doing there in the first place. Ça a l'air compliqué, sa vie, hein. De quoi vous souvenez-vous au juste ? Eh bien, je ne me souviens que j'étais triste, mais en vérité, je ne sais plus pourquoi. En fait, je ne suis même pas sûre que je saurais vous définir ce qu'est la tristesse. Je viens de ce bâtiment, là-bas. Les gens qui s'y trouvent ont tous été très gentils avec moi, très serviables. Même si, maintenant que j'y pense, je ne sais vraiment pas ce qui m'a emmené là-bas. Vous n'avez personne que vous pourriez aller voir ? Quelqu'un qui sera en mesure de vous aider ? There must be, you would think. You know... I can swear there is someone, but their name escapes me. Hells, even their face escapes me. A figment of my imagination, perhaps. Oh, it will come back to me. Or not. I'm content enough here, in either case. Bon, mais bon. Il doit bien y avoir quelqu'un, ce serait logique, non ? Vous savez, à la réflexion, je suis à peu près certain qu'il y a quelqu'un, en effet, mais son nom m'échappe. Son visage aussi, d'ailleurs. Aurais-je rêvé ? Ça finira bien par me revenir. Ou pas, de toute façon, ici, je n'ai besoin de rien. Oh, il est un peu triste comme histoire. Et il m'a parlé de la maison du chagrin, c'est la maison qui est ici, du coup, I guess ? C'est ça, la maison du chagrin ? Garde du chagrin à Pharah, ça doit être ça, ouais. On va visiter ça. Mais par contre, j'ai besoin de faire pipi. Shadowheart est dans la team. Ouais, elle est là. Elle est là, bichette.
Juste faire un petit pips. J'arrive. F5, j'arrive. Hop, pardon, excusez-moi. Donc la maison du chagrin, il s'est fait quoi? Il s'est fait lobotomiser ou quoi? Garde du chagrin à Farah. Do you seek help? You are in the right place. Vous avez besoin d'aide, vous êtes dans le bon endroit. Est-ce que je pourrais lui cacher son arme ou pas? Parce qu'elle prend vachement de la place, son arme. Je suis pas sûre qu'on puisse... Attends, non, je suis pas sûre qu'on puisse cacher l'arme en vrai. Non, je crois qu'ils l'ont toujours sorti, hein. C'est pas F? Non, c'est pas F. Ah, si. Parce que autant les autres, ça va, mais elles, son grand bâton, bon... Welcome. The house of grief lies just within. We are here to help. Elle m'a dit, bienvenue à la maison du chagrin, nous sommes là pour vous aider. Mais j'ai l'impression qu'en anglais, il a dit grief. Pour deuil plutôt. Pas rentré? Oui. Miri. Welcome to the house of grief. Or perhaps welcome is the wrong word, Shadowheart. There's been some debate whether you'd even show up and face the consequences of your actions. I assumed you tried to flee like a craven. Do I know you? I like to be on a first name basis before I give someone a thrashing, ideally. You haven't changed one bit, have you? I hope you remember it all in the end. I want you to know how much of a failure you truly are. It will come. All in due time. Ah! Quand tout d'un coup... Comment elle parle à Ombre Cœur, je vais m'énerver, hein. Comment elle lui a parlé, ça m'énerve. Bichette, oh. Bienvenue à la maison du chagrin. Encore que bienvenue ne sera sans doute pas le bon terme, Ombre Cœur. Certains se demandaient si vous oseriez revenir faire face aux conséquences de vos actes. Je pensais que vous tenteriez plutôt de fuir comme les lâches. Donc ça doit être elle qui sait qu'elle a trahi... elle a trahi les... pas les Sélunites, les... Le char qu'elle a trahi char. Certains se demandaient si vous oseriez revenir faire face aux conséquences de vos actes. Je pensais que vous tenteriez plutôt de fuir, comme les lâches. Mon regard dit, on se connaît? Je préférerais généralement savoir sur qui je tape. Et Miri répond, vous n'avez vraiment pas changé, n'est-ce pas? J'espère que vous finirez par vous souvenir de tout. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes qu'une ratée. Chaque chose en son temps. Laissez-nous passer, ou je n'aime pas ça, on ferait mieux de s'en aller, Ombre Cœur, ou j'ai croisé un homme à qui on avait volé ses souvenirs. C'est vous qui lui avez fait ça.
Je vous laisse voter, même si je ne suis pas liée par vos... par votre choix. J'aime bien savoir un petit peu le chat, ce que vous voulez répondre dans des moments un petit peu plus tricky comme ça. On la chambellise. Ça va devenir un langage courant. Attendez, le temps qu'il y a le vote, je vais juste chercher une boisson, j'arrive dans 10 secondes. Moi qui me demandais où est-ce qu'on allait trouver le disciple de Char qui allait lui tomber dessus, bah paf, je me suis dit vas-y, je vais faire ça et après je vais peut-être revenir au début de la ville pour voir si c'était pas là, que j'ai loupé un truc et tout. Oh, oh, oh. J'ai croisé un homme à qui l'on avait volé ses souvenirs, c'est vous qui lui avez fait ça ? This is a place of healing. Anyone who partook in our methods did so willingly and left with a smile on their face, freed from their troubles. Would you accuse a surgeon of robbing a tumor? I think not. Aïe, 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 aïe. J'ai croisé un homme à qui on avait volé ses souvenirs. C'est vous qui lui avez fait ça? Et elle répond, ceci est un lieu de guérison. Les gens qui ont fait appel à nous l'ont fait de leur plein gré et sont ressortis avec le sourire délivré de leur tourment. Accuseriez-vous un chirurgien d'avoir volé une tumeur? Non, bien sûr. Revote. J'ai peur que ça débute un fight, alors qu'en fait, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. J'ai peur que ça, si je dis « laissez-nous passer », ça débloque un fight, mais qu'on n'avance pas vraiment sur les raisons du pourquoi, du comment. Et d'un autre côté, si on dit « on ferait mieux de s'en aller, ombre au cœur », la quête va pas se poursuivre, quoi. Dans les deux cas, c'est foireux. Mais comment elle parle à ombre au cœur, là, je vais lui casser les dents, hein. Mais par contre, la question est assez intéressante d'un point de vue philosophique. Genre, si on pouvait enlever les souvenirs traumatisants ou les souvenirs... En fait, si, dans le même cas que le gars, faire le choix de perdre la mémoire et du coup d'oublier pourquoi est-ce qu'on est très triste, mais du coup tu perds tout le reste. Tu le fais ou pas, tu vois. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de Eternal Sunshine of Spacious Mind. Bah ouais, la boucle est bouclée, ouais. Vu l'état du mec dehors, ils ont pas l'air de faire dans la dentelle. Bah ouais, c'est ça. Bon, laissez-nous passer. As I said, in due time. First, you submit to the mapping of the heart. Only then... can we know what is to be done with you? Laissez-nous passer. Vous n'avez pas écouté? Chaque chose en son temps. Vous devez d'abord vous soumettre à la lecture du cœur. Ce n'est qu'alors que nous saurons, pardon, ce que nous devons faire de vous. Pardon ou gardez le silence? Garder le silence, c'est toujours très tentant comme réponse, parce que t'as toujours envie de voir vers quoi ça va aller. Autant ne rien vivre si c'est pour tout oublier, je suis un peu d'accord, mais... mais après, je sais pas s'il faut... je sais pas s'il faut garder le silence. Enfin, de toute façon, c'est les runs où t'as envie de faire les deux choix pour voir où ça mène, quoi. Tu vas pas nous faire voter sur chaque réplique? Non, je le fais pas à chaque fois, mais quand c'est des trucs importants comme ça, je le fais. Gardez le silence, vas-y, tentons. Follow me. The House of Grief welcomes you and stands ready to ease your troubles. Ok, c'est pour accueillir nos fardeaux, patati patata. Donc j'ai une quête qui a été avancée. La maison du chagrin. Explorer la maison du chagrin.
Nous avons découvert un marchand extrêmement désorienté du nom d'Arves qui semblait marcher sans but à côté d'un étrange bâtiment. Ce serait une bonne idée d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Peut-être nos questions trouveront-elles des réponses à l'intérieur. Nous avons accepté de participer à la première étape du processus permettant de se décharger de ses fardeaux. Elle porte le nom étrange de lecture du cœur et se déroule dans l'arrière-salle. Bah, il y a un bug parce que Miri, elle est re-là. You're supposed to guard the door. No more slacking, or I'll report you to her. No need for that. Just needed to stretch my legs. Won't happen again. Je vais parler aux autres personnages après, je pense. Enfin, remarque. Remarque, non. Garde chagrin, Wilbur. Sounds like there's gold. Welcome, friend. Your burdens are soon to be made as light as a feather. Trust me. La confiance, bon, voilà. Bienvenue l'ami, croyez-moi, les fardeaux qui vous oppressent seront bientôt aussi légers qu'une plume. C'est le bad. Actuellement, c'est le bad. Et lui, Moran, j'en peux. Vous pouvez entrer. Bon, de toute façon, j'avais pas prévu de faire autre chose. C'est la voix de Gail. Bah, il a un peu le look et la voix. On va se faire enfermer là-dedans, tu vas voir. Et donc, changer de livre. Attends, et si je parle à Ombrecoeur, elle me dit rien de spé? Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Dommage. Elle dit rien de spé. Bon, là, je pense qu'il y a une porte. Banc en granit. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Faut qu'on s'assoie là-dessus. Hein. You seek to be unburdened, yes? The mapping of the heart can reveal the way. Yet, there is another here whose need is great. That voice. Allow me. I think I'm supposed to do this. Inquisitrice du chagrin, vous cherchez à vous débarrasser de vos fardeaux, la lecture du cœur vous montrera la voie, mais il y a quelque chose, quelqu'un d'autre, et qui en a bien plus besoin que vous. Cette voie, laissez-moi faire, vous voulez bien? J'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois faire. Oh. N'avancez pas, Ombrecoeur, ou allez-y. Je vous laisse voter, c'est un choix important, mais... Oh, j'ai peur. J'ai peur. Allez-y. Ouh là là, j'ai peur. Do you know why you are here? There is something I lost. No. Had taken from me. My family. My life. I want it all back. Loss is a gift, girl. Do you still not understand that? Now give me the true answer. What is your purpose in being here? Je vais faire un mauvais choix. Il y a quelque chose que j'ai perdu. Attends, pardon. Laissez-moi faire, vous voulez bien? J'ai l'impression que c'est quelque chose que je dois faire. Pour cela dit, allez-y. L'inquisitrice dit, sais-tu pourquoi tu es là? Ombrecoeur répond, il y a quelque chose que j'ai perdu. Non, on me l'a pris. Ma famille, ma vie, je veux tout récupérer. L'inquisitrice dit, tout ce que l'on perd est un cadeau. Es-tu incapable de le comprendre? Et maintenant, réponds-moi sans détour. Quelle est la raison de ta présence ici? Que se passe-t-il? Est-ce que cela fait partie de votre lecture de mon cœur? Ou qui êtes-vous? Ou gardez le silence? J'aurais peut-être dû prendre le contrôle d'Ombrecoeur et pas le contrôle de Ursula. C'est peut-être Ombrecoeur qui aurait dû se poser sur le truc en granit, mais... Non, c'est très bien comme ça, justement. Ok. Que se passe-t-il? Est-ce que cela fait partie de votre lecture de mon cœur? Qui êtes-vous? Gardez le silence. J'ai un peu envie de laisser Ombrecoeur driver le truc, mais... Faire des F5 compulsifs, hein, vraiment. Hein. Gardez le silence. The artifact. I was sent to retrieve it.
at any cost. And who tasked you with this mission? The Mother Superior of Shah. It's you. Give me the honor of my name, in full. I can't. My memories. I know what's in that head of yours better than you do, girl. My name. Mother Superior. Lyconia de Vere. You still have the wits to recognize your betters. Good. Now descend. You have much to answer for. An astral projection. Clever girl. She's not taking any chances. We shouldn't either. Oh lo 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 lo. Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il saute dans tous les sens? Oh lo 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 lo. Oh lo 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 lo. Donc, tout ce que l'on perd est un cadeau, et tu es incapable de le comprendre. Et maintenant, réponds-moi sans détour, quelle est la raison de ta présence ici? Ombre Cœur dit l'artefact, j'étais chargée de le récupérer, à tout prix. L'inquisitrice répond, et qui t'a confié cette mission? Ombre Cœur dit la mère supérieure de Char, vous. Bah, la mère supérieure, elle répond, fais-moi l'honneur de dire comment je m'appelle, mon nom complet. Ombre Cœur dit, je ne peux pas, mais mes souvenirs. L'inquisitrice dit, je sais mieux que toi ce que tu as dans la tête, petite, mon nom et mon titre. Ombre Cœur dit « Mère supérieure, Lyconia de Vere ». Elle répond « Au moins tu as l'intelligence de reconnaître tes supérieurs, bien, et maintenant descends jusqu'à moi, tu vas devoir répondre de tes actes ». Et Astarion commente en disant « Une projection astrale, elle ne prend pas le moindre risque, la petite rouée, nous ferons bien de l'imiter ». La petite rouée. Peut-être qu'on va désactiver le truc des gars non létaux, on sait jamais, hein, on va désactiver cette histoire, hein, voilà. Bon. I've got a long road ahead. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Est-ce qu'il y a les secrets révélés? Oh là 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 là. Comment elle parle à Bébou Ombre Cœur? Ça m'énerve, hein. Miroir. Cloître de la sombre étreinte. These things have stayed interesting. Des bougies. Je peux pas examiner le machin. Ombre... My faith will guide me. Ombre Cœur peut pas non. Ah non, c'est le cloître, pardon. Entraînement à l'infiltration. Entraînement aux interrogatoires. Cloître de la sombre étreinte. Peut-être commencer par le cloître, mais Let's see. Oh lolo. Pour revenir par les portes ensuite, je sais pas. Hein. La musique rassurante, hein. À peine louche, la musique, hein. Attends, mais du coup, comme on descend vachement... Je me dis, il faudrait peut-être... Je sais pas trop dans quelle ordre faire les choses. Je me souviens de ce lieu maintenant. Une whole childhood spent in these halls. The Mother Superior must be close. Soon this will all be over. Ombre Cœur dit « Je me souviens de cet endroit maintenant et de l'enfance volée que j'y ai passée. La mère supérieure doit être proche. Toute cette histoire sera bientôt terminée. » Enfin, par contre, c'est beau comme endroit. Hein. Ouh là là. Ah non, sentinelle. Keep going. The Mother Superior is expecting you. Allez-y, la mère supérieure vous y attend. Et si je lui parle? Non, je peux pas. Waouh, c'est beau.
Est-ce qu'il y a eu un bug? Waouh, putain, c'est incroyable. Oh, magnifique. La gestion des lumières et tout, c'est incroyablement beau. Et ça a l'air vachement loin. J'hésite à faire les premières petites salles devant, en fait, d'abord. Parce que j'aurais pu les crocheter easy, mais je me suis dit peut-être que je vais devoir revenir sur mes pas. Charles Agar, ce qui a du goût en matière de déco intérieur. J'hésite à faire les trucs d'abord. Parce que là, j'ai l'impression que ça va être un gros truc, quoi. Je sais pas trop. Attendez, on va revenir en arrière. On va faire la porte des interrogatoires et trucs, là. C'est peut-être juste du lore, en fait. Ça se finit en combien de temps? 1h30 max, non? Lady Shark, 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 Lady Shark, 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 Lady Shark. Entraînement à l'infiltration. Ok. Outil de voleur. Ah oui, ça c'est pour toi ça. Cunning disguise can serve a warrior of the Dark Lady better than any armor. That's what they always told us. I think this was my favorite part. Putting these on. Pretending to be someone else. I suppose that's been my whole life. Elle a dit, je crois bien que c'était ce que je préférais, enfiler des déguisements et faire semblant d'être quelqu'un. Quelqu'un d'autre. Mais j'imagine que ça pourrait, qu'on pourrait dire aussi que toute ma vie durant, j'ai toujours joué un rôle. Un bon déguisement est plus utile que la meilleure des armures pour les fidèles de la Dame Sombre. On nous le répétait sans cesse. Ok, donc on va avoir un peu de lore, je suppose. Coffre cartilagineux. Passe. Oui. Potion de remède et de l'or, ok. Pareil pour ça. Ah, je m'attendais à des salles. Je m'attendais à des épreuves un peu comme Char, comme le temple de Char, mais en fait pas du tout. Pareil, ça a passé aussi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Coffre élégant, saphir et or encore. On prend. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Casier à bouteille. On s'en fiche. Mission d'artefact défi. Les pages de ce calepin ont toutes été arrachées sauf la dernière qui ne l'a été qu'en partie. Le texte qui suit est encore illisible dessus. Gens de char doivent être formés de manière à être capables d'utiliser et de désamorcer des pièges, des serrures, commandes ou leviers conventionnels, illitides ou guitianki. Mais le plus important, c'est de les préparer mentalement à faire face à des situations extrêmes dépassant leur entendement. Il faut s'attendre à des pertes, mais cela ne doit pas nous faire reculer pour autant. Les agents sélectionnés ont d'ailleurs subi un conditionnement afin de considérer le succès de la mission comme leur priorité absolue. Leur survie n'est que secondaire. Petite ambiance. Rapport sur les activités d'Enver Gartash. Ah, intéressant. Rapport détaillé d'un agent de char, l'adepte noir Bilvoy Reed, au sujet des activités d'Enver Gortash, vendeur d'armes que le culte de char surveille de près. Sa conclusion est la suivante. Smiley souriant. Gortash, que nous pensons être un adepte de Bane, le pitoyable dieu de la tyrannie, s'est récemment accoquiné avec une des têtes du culte d'une autre divinité mineure, Baal. Tous deux ont récemment été aperçus errant à l'intérieur de la part du diable, où ils se sont longuement entretenus avec le propriétaire, une diaboliste connue sous le nom d'Elsic.
Cela pourrait être important car cette dernière est réputée pour être capable d'ouvrir un portail à destination des enfers pour peu que l'on accepte de payer ce tarif que l'on dit exorbitant. Ah ! Peut-être le prendre ça. Pour plus tard. Peut-être que ça va me servir, je sais pas. Mal ? On s'en fiche. Tenue de roue, on s'en fiche. Marteau léger, on s'en fiche. La penderie, pourquoi pas. Tenue de roue. Bleu confortable. Ouais, bof. Tenue, c'est quoi ça? Taylor's mannequins. I never figured Shah for a follower of fashion. Des mannequins de couture. J'ignorais que Shah s'intéressait à la mode. Elle a l'air trop belle, la tenue. Taylor's mannequins. I never figured Shah for a follower of fashion. Ok, non, on peut pas prendre la tenue du coup. Oh, y a la belle robe là. Taylor's mannequins. Oui, bon, on a compris. I never figured Shah for a follower of fashion. Ah, ils ont des outfits sympas quand même hein, chez Char, hein. Je peux me permettre. Hein. Et là, je crois qu'on a tout fait. Escamotage, tac. Ça passe large. Entraînement aux interrogatoires. Donc là, ça va être que de la torture, là. Oui. Oula. Bon, on aurait pu s'en douter quand même. Hein. Penaille de forgeron, scalpel, scie à main. Super. L'interrogatoire en 3 étapes, ça va être immonde. Manuel à l'attention des interrogateurs de Char. Learned how to break their bodies. Their spirits. Quiet in here now. But it wasn't always so. Screams rang off these walls. I swear I can almost hear them. Je pense qu'elle est en plein PTSD là. Je crois bien que j'ai fait du mal à des gens ici, que j'ai appris à briser leur volonté en meurtrissant leur corps. Le calme règne ici, mais cela n'a pas toujours été le cas. Les plus terribles hurlements résonnaient entre ces murs. Il me semble encore entendre leur écho. Manuel à l'attention des interrogateurs de Char, détaillant 3 niveaux de stress induit, émotionnel, physique et mortel. L'ouvrage met l'accent sur le fait d'obtenir des informations, d'obtenir des informations est plus important que d'infliger un juste châtiment à la victime, et que l'interrogateur doit se garder de se retrouver émotionnellement impliqué dans le processus, que ce soit en éprouvant de la sympathie pour le prisonnier ou en laissant libre cours à ses pulsions sadiques. Ok, là il y a des tonneaux. Je sais pas ce que c'est que ce truc. Ambre de feu, ok, pourquoi pas. Et là, il y a quelqu'un de complètement disséqué sur la table. Il n'y a pas un bout de Bozo le clown, là? Super. Là, il y a des dessins très sympathiques. Chevalier de torture. How many people did I help break upon this thing? Combien de malheureux ai-je aidé à briser sur cette monstruosité? Mais l'enfer, le cauchemar du truc? Avec tous les petits pics là? Non mais... Bande torture. There's so much I can't remember. Yet, if I picked up these implements, I'd know exactly what to do. Il y a tant de choses que j'ai oubliées, et pourtant, si je prenais ces instruments en main, je saurais exactement comment m'en servir, j'en ai la certitude. Ambiance. Il y a un siège, avec des seaux pour récupérer le sang, let's go. Ça va, vous? Pendrie miteuse. Non, mais c'est stylé, ça. Cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Donc Ombroker a pratiqué la torture sur de nombreuses personnes. Voilà. No one back home will ever believe this. Nous reprenons nos activités. Let's see what this does. Another step forward. Se décharger de ses fardeaux, j'avais pas vu ça.
Cet ouvrage décrit avec force détail le processus permettant de se décharger de ces fardeaux. Plusieurs cibles privilégiées ont été identifiées parmi ceux qui s'intéressent à la Maison du Chagrin. Ceux qui acceptent de payer la somme demandée sont ensuite emmenés à la chambre de la lecture du cœur, où l'inquisitrice du chagrin leur posera des questions spécifiques, tout en sondant leurs pensées pour y déceler tout ce qui pourrait être utile à la dame de l'égarement. Cela fait, les sujets sont emmenés à l'étage inférieur, où le miroir de l'oubli leur vole les souvenirs pouvant être utiles aux enfants de Damshar, tout en les délestant de ce qu'ils ont pu voir à l'intérieur du cloître et de la source de leur tracas. Il ne reste plus ensuite qu'à les laisser repartir, sans qu'ils aient la moindre idée du sacrifice qu'ils viennent d'effectuer. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Cela fait, les sujets sont emmenés à l'étage inférieur, où le miroir de l'oubli leur vole les souvenirs pouvant être utiles aux enfants de Damshar. Donc le miroir de l'oubli, faut pas qu'on le regarde. Tout en les délestant de ce qu'ils ont pu voir à l'intérieur du cloître et de la source de leur tracas. Ah ouais, donc elle a torturé des gens, Ombrecoeur. Donc en fait, quand vous êtes vachement jugeant avec Astarion qui faisait le rabatteur pour Cazador en prenant des innocents, je suppose que votre raisonnement, par un processus miraculeux, considère que ce n'est pas ok pour Astarion, mais que c'était ok pour Ombrecoeur. Pas pareil ? Enfin pareil, mais je crois qu'Astarion aussi, c'était pas vraiment sa volonté en fait, hein. Elle est endoctrinée, elle. Ah non, et Astarion pas du tout pour le coup. Astarion, il était pas du tout dans une relation de maltraitance par Cazador, qui le prenait pour sa chose, quoi. Même pour son esclave sexuel d'ailleurs aussi, hein. Moi je pense que c'est deux bébous, hein. Moi, je pense que Ombrecoeur et Astarion et Carlac, c'est juste trois bébous qui ont tous été abusés de façon très diverse. I can fix them. Astarion, il a zéro Redemption Arc, mais bien sûr que si! Pas joué au même jeu. Bon, en tout cas, c'est les choix que vous avez faits, alors. Moi, il s'en voulait à la mort. On veut à la mort dans... Astarion, il regrette pas, mais parce qu'il sait qu'il avait pas le choix, en fait. Il a fait ça pour survivre, mais il est rongé par le traumatisme, en fait. C'est une dinguerie de penser qu'Astarion, il s'en fout. Attends, F5. Ok. Sentinelle. Serve her to your last breath, and you shall have no fear of death. There is no fear, but fear of failing the Night Singer. Lady Shaw watches our every step. Bon, je suppose qu'il faut que j'aille au milieu, de toute façon. Je lis la discussion. Ah non, c'est trop loin pour que ce soit marqué dans la discussion. Mais bref, elle est en train de prêcher, quoi. Lady Shaw shall restore us to our purest form. Non, ce n'est pas une nouvelle run, c'est la fin de ma run que j'ai commencé il y a un an. Cling to light are destined to lose it. Candles will gutter. Hearths will burn low. The stars will dim. Okay. Shed no tears for such fools. They are unworthy of Lady Shaw's truth and doom themselves. We shall leave them behind. The Night Singer shall lead us to our reward.
There can be no reward without loss. No salvation without sacrifice. Lady Shah smiles upon our endeavor. Non, mais quand je dis la fin, je sais que c'est pas ce soir, mais genre là on est dans un tunnel pour finir le jeu et genre on a encore plusieurs sessions quoi. Mais je vais enchaîner les sessions. On est quand même plus de la proche de la fin que de la que le début quand même. Donc, j'avance parce qu'elle prêche, mais... They already heard how you disgraced yourself before Lady Shah, how she marked you as the enemy. But it is quite another thing for them to see it for themselves. I am very glad you decided to return. A cautionary tale such as yours will be studied by Lady Shah's initiates for years to come. But perhaps I can make a case for some small measure of mercy. Give me the artifact, and I can at least make this quick. Enough. I don't answer to you. Not anymore. I'm here for my family. That's right. I know what you did. And it's not going to be quick. Not for you. This is your family. And now you have turned your back on it. The artifact was your last chance to prove yourself. And you squandered it. On est d'accord que les... Ouais, j'ai un doute. On est d'accord que Lady Shah a soustrait Ombrecoeur à ses parents en faisant toute la mise en scène avec les loups, etc. où elle vient la sauver. C'est elle qui a fait cette mise en scène. Mais on ne sait pas si les parents d'Ombrecoeur sont morts ou... Enfin, les cherchent, non? C'est ça, ok, d'accord. Donc je me souviens correctement. Non, c'est fou parce que ce jeu, je l'ai pas joué depuis longtemps, mais je me souviens vachement bien des détails, en fait. Tous savent déjà comment tu t'es couvert de honte devant Dame Char, donc Diviconia. Comment elle a apposé sur toi la marque de ses ennemis, mais c'est différent de le voir de ses propres yeux, j'imagine. Je suis heureuse que tu aies décidé de revenir. Ton sort servira d'exemple pour les initiés de Dame Char pendant de nombreuses années. Mais peut-être peut-on envisager une certaine clémence. Si tu me remets l'artefact, je ferai en sorte que ce soit rapide. Ombrecoeur répond assez. Je n'ai pas à répondre de mes actes devant vous. Plus maintenant. Je suis ici pour ma famille. Exact, je sais exactement ce que vous avez fait et ce ne sera pas rapide, pas pour vous. Viconia répond, ta famille c'est nous et tu nous as tourné le dos. L'artefact était ta dernière chance de faire tes preuves et tu l'as gaspillé. Donc il y a quatre réponses. La première, Ombrecoeur n'a rien à prouver aux gens comme vous. Deux, c'était une erreur, nous n'aurions pas dû venir ici. Trois, pourquoi l'artefact est-il si important pour vous? Et quatre, gardez le silence. Merci Cyrodor d'avoir offert un sub à Ombrecoeur, merci beaucoup. Et merci Le Pens pour le 6e mois également. Moi j'ai envie de faire garder le silence aussi, hein. Je suis comme vous. Hein. Gardez le silence. You there! Surrender this one to me now. And you can consider Lady Shah's forces your allies in the battles to come. Vous là, livrez-moi cette inconsciente et les forces de Dame Char seront de votre côté dans, votre bataille, dans vos batailles à venir. Faites-en ce que vous voulez. Attendez. Ce n'est pas une run Darkurge. Comment ça on a 17% de traîtres ici? Ça va pas la tête? Pourquoi il n'y a pas un ratio 0 et 100%? Pourquoi 20% qui veut trahir Ombrecoeur? Mais ça va pas la tête? Qui sont ces noms qu'on les a tout de suite? C'est ban ça, hein? Devoir organiser une purge, hein? Jamais. As you like. Lilala, for sure!
124 PV, 78, 150, 48, 74, 150. Sa mère. Oh, sa mère. 40 mois, ça fait un bail en vrai. Il y en a encore plus 3, hein, bien sûr. Contenu. Oliver, tout ça continue comme ça, émoticône souriant. Je suis dans la sauce. Je suis dans la sauce. Merci Gabou pour le 40e mois. Merci beaucoup. Petit F5. Ouais, on va refaire un petit F5 maintenant. Même si je sens qu'on va devoir reload pour repréparer des trucs, genre les festins, machin et tout. Bon. Et le plus bas, c'est 48. Hein. Ok, pas mal. Oh, critique paralysant. Une fois, entre deux longs repos, lorsque vous réussissez un coup critique contre un humanoïde, vous avez la possibilité de le paralyser pendant 2 tours. Non, pas ce coup-ci. Parce que du coup, je peux le faire qu'une seule fois. On est bien d'accord? J'avais jamais eu ce truc-là. On est d'accord que je pourrais pas le réutiliser du tout. Une fois seulement, donc aucune réaction. Je le garde pour plus tard. Parce que là, il est dead, donc ça n'a aucun intérêt. Ah merde, je croyais qu'il était dead. J'ai vu 9 coups critiques, je croyais qu'il allait mourir, mais non. Je voudrais le garder pour un ennemi un peu plus féroce, quoi. Ok, il va pas bouger. Je pense que ce serait peut-être bien de clean d'un côté. Putain, mais il y en a là aussi, ça va être la merde. En plus, ça fait longtemps que j'ai pas joué et là, je vais faire un combat bien dur. Sur un truc que bah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de combat, quoi. Bon, essayons de... Hop là. Hop là, il est dead. Et là, je peux pas mettre un petit coup, un dernier petit coup sur sa gueule, là. Elle a dit « Je connais tes peurs, ma fille, le père inconnu dont l'étreinte se transforme en un déluge de griffes et de gros... » Et de crocs, pardon. Et oui, elle refait vivre ses peurs... elle refait vivre ses peurs de son enfance, quoi. En les transformant en loup. Pour la trauma, la petite conne. J'espère juste qu'il n'y a pas ses parents dans le lot, en fait. Dit Taurine, hein, ce serait du spoil, hein. ...139-150 quoi. Mais tranquille. Aïe aïe aïe. Chagrin insurmontable. Là, elle est en cœur égaré. C'est qui peut invoquer Deva? C'est elle, non? Entité alliée planaire. C'est pas mal.
peut-être faire ça, hein. Mot de guérison de groupe, pas pour l'instant. Elle peut rien faire d'autre. Bouclier de la foi protège une créature contre les attaques, ce qui augmente la classe d'armure de 2. On veut dire, à défaut d'autre chose, bon. Elle pourrait le faire sur elle, en vrai, hein. Hop là, faisons ça. Retour de Slipman. Oh là là. Oh là là. Après, indirectement, comme ils sont aveuglés, ça protège Ombrecoeur qui est dedans. Et comme il y a les autres là, paradoxalement, ça la protège un peu. Ça va être si dur, ils ont tous tellement de PV. Et ils sont tellement nombreux à jouer. Lady Shaw's will shall be done. Her foes shall perish. Oh là, Deva. Oh là. Ok, la sauce. Lui, il a 48. Attaque. Mais lui, je crois pas qu'il fasse très mal. Châtiment courroucé. C'est un truc sur un gars ou c'est un truc de zone? Alors après, s'il sort de la... Aveuglé, il est plus aveuglé. Ça augmente ses chances. C'est quoi leur vulné là? Né dans les ténèbres. Ah, ils ont pas de résistance. Embuscade des ombres. Inflige 4 à 32 points de dégâts nécrotiques supplémentaires quand elle attaque depuis une zone d'ombre. Vous attaquez automatiquement un ennemi qui se déplace hors de votre portée. Et né dans les ténèbres, cette créature, il voit dans les ténèbres magiques et non pas magiques. Hein? Ah, cette créature, il voit dans les ténèbres magiques et non magiques et elle ne peut pas être aveuglée. Ok. Donc ça, c'est pour effrayer, pour ramener à la vie, révoquer. On va lui mettre un coup de battu, hein, je pense. Hein. Et ouais, je peux juste être révoqué là. Lady Shah's will shall be done. Sure as night. Hop. Donc là, je pense qu'on va laisser Karlak finir. Lui, il est aveuglé. Et ce qui m'embête, c'est que... affecté par le froid glacial. Donc il peut pas récupérer de points de vie. Par contre, je peux faire trait de rayon ardent. Là, il est plus aveuglé. Par contre, il a appel de la dame sombre. Et il subit 2 à 10 points de dégâts par tour. Oula, c'est chaud. Bon, ça, je suis interrompu. Je m'ai interrompu parce qu'il voit pas. Ouais. Ah ouais, du coup, faudrait faire la lumière, en fait. Ouais, je m'ai interrompu. Oh, sa mère. Faudrait faire de la lumière, quoi. Je sais plus quel perso. Putain, c'est chaud de recommencer avec un combat aussi dur. Je m'attendais pas en ayant un truc du chagrin de tomber là-dessus. Il me semble qu'il y a un perso. Lumière dansante, je pourrais faire ça. Ça va rompre la concentration de l'appel de la foudre. Mais d'un autre côté, si les autres peuvent pas attaquer, c'est pas très intéressant, quoi. Donc il y a lumière dansante ici. Pendant 10 tours. Ça pourrait être intéressant, mais est-ce que ça dissipe les ténèbres? Je sais pas.
Blood comes easy these days. Shall we cut and run? Et là, je sais pas trop qui attaquer parce que il voit rien quoi. Là, il y a son père. Là, ils ont tous sauté en dessous. Alors, à moins qu'ils sautent là et qu'ils fassent une attaque de corps à corps, mais je suis même pas sûre qu'ils puissent en fait. Si 80%, c'est quand même vachement mieux. Pas de chance, ça. Échec critique là-dessus, c'est vraiment pas de chance. Attends, action. Bon, lui, il est dead. Mais elle va rien voir si elle fait ça, si. Et là, ils ont vachement de PV. J'aurais voulu focus ceux qui avaient moins de PV pour... pour m'en débarrasser, quoi. Parce que... essayer de focus, le fait d'avoir le moins de mobs possible. Mais là, possibilité de déplacement insuffisante, déjà. Et ouais. Ouais. Et du coup, je peux pas faire d'attaque à distance. C'est là ce qui arrive. Ils sont extrêmement nombreux, quoi. Je peux rien faire, hein. Je peux rien faire. Le Rocker a pris turbo cher. Et après, par contre, appel de la foot, ce serait super, mais... parce que là, ils sont bien paqués quand même. Hein. Là, je peux en avoir que 3. Attendez, je tente au max. 3. 3. 3. 3. 3. Putain, j'arriverai pas à faire plus que 3. Hein. Ah, si, peut-être 4 là. Provoque une attaque d'opportunité encore ? Ah mais elle est plus aveugle, c'est déjà ça. Par contre, elle va être dans le champ. Ça marche plus ? Non. Oh non ! J'ai plus mon pixel vengeur, là, j'ai un pixel vengeur. Flûte ! Et bah ceux qui ont moins de PV, 38, 38, 38... Et bah ce serait parfait, ces trois-là, là. Et je peux pas faire lumière dansante. Mais en même temps, je leur ai fait un peu mal à tous. C'est pas trop mal. Mais lumière dansante, ça aurait été bien aussi. Mais je sais pas si ça entre en conflit avec les ténèbres. Hein. I don't know. Et je pense que mot de guérison, ce serait peut-être pas mal si elle peut... de le faire sur... Ombre cœur bébou, mais je crois qu'elle est trop loin. Ah ouais, elle est hors de vue même carrément. Bah du coup, faudrait qu'elle saute, mais ça provoque une attaque d'opportunité partout où elle va. Bah elle va rester là, hein. Restez là. Bon, je pense qu'on va rater le combat et qu'on va devoir le recommencer de toute façon. Hein. Oula. Oh ah mais ils font turbo mal en plus. Oh le cauchemar. Cauchemar, pitié.
Mot de guérison de groupe, le problème c'est que j'ai peur. Impossible de recevoir des soins affectés par froid glacial. J'avais oublié. Ouais, ils le remettent à chaque fois. Donc en fait, on peut pas se heal. C'est un cauchemar. Elle avait un truc super fort au niveau des attaques. Il y avait les glyphes, à la rigueur, qu'on pourrait faire. Immobilisation d'humanoïdes. Elle est où, Lady Charles? La cible est hors de vue. Eh ben super. On est dans la merde parce qu'on est vraiment dans les ténèbres. Couronne de flammes? Mais ça va marcher parce que je ne vois toujours rien. Donc il faut absolument qu'elle sorte de ça. Quitte à se prendre une attaque d'opportunité, mais il faut absolument qu'elle sorte de ça. Pas le choix. Got to move. Ok. Elle n'est plus aveuglée, mais par contre, un peu de la merde, hein, ce qui est... voilà. On va tous mûrir. Et lui, qu'est-ce qui lui arrive à Deva là? Strémousse dans tous les sens. Ils sont encore dans les ténèbres? Parce qu'il est aveuglé. Il est aveuglé par quoi? Je peux pas trop voir. Après, si on tapait elle. Si on tapait elle, peut-être que ça aiderait... je sais pas, franchement, je suis du père. Je sais pas trop quoi faire. Je pense que j'ai pas réussi à ce combat, mais je veux voir un peu plus loin. Défense élevée. Et si j'utilise ça... Bon, vas-y, tentons. Hein. Bon, ça te prie. Alors, l'agonie, quoi. Et comme ils peuvent pas se heal du tout, c'est une galère. Est-ce qu'il y a une potion ou un parchemin qui empêche d'être affecté par froid glacial? Vous avez le droit de répondre, c'est une vraie question. Parce que je vois pas comment on peut réussir à faire ce combat si on est affecté par froid glacial. Nope. Ah bah c'est FF alors. Hein. Bah c'était super cette aventure sur Baldur's Gate 3. J'ai adoré chaque instant. Hélas, je ne suis pas en capacité de pouvoir continuer. Allez, tue-le. Ok, et de 1. Pas trop qu'elle bouge, sinon elle se prend une attaque d'opportunité. Le problème, c'est qu'elle est vraiment en mode... C'est pas bien, quoi. Et là, il peut pas l'attaquer. Il peut pas l'attaquer avec attaque sournoise. Est-ce que s'il saute... Ça
marche. Oui. Ok, lui a fait 40 quand même. Pas mal. Ok, elle a vaniche. Ursula, la seule solution qu'elle a de s'en sortir, c'est de se transformer en truc, hein. Mais en quoi? Il y avait un truc qui faisait un espèce de tremblement de terre, là. L'oursibou, je crois. L'oursibou, il fait des attaques de zone, si je dis pas de bêtises. Bon écrasant, c'est ça que je voulais. Elle va se prendre des attaques d'opportunité, mais de par la part de combien de personnes, je ne sais pas. Trop, j'aurais pas dû utiliser foncé. On va pas utiliser ça, hein. Trop d'attaques d'opportunité, je risque de perdre toute ma vie. Ça suffit! Froid glacial sur Astarion, on n'en peut plus, hein. Encore aveuglé. Lui, je sais pas ce qui lui arrive. Ténèbres attirantes. Hanté par les ténèbres. Il subit des dégâts nécrotiques. Périodiques. Oh! Sachez que le petit truc à l'agonie, je n'arrive pas à avoir autre chose qu'un un éléphanto. Voilà, sachez-le. Ah, elle est hors de vue, donc je peux même pas la revive. Je peux quand même aider ou pas? Ouais, mais si j'aide, en fait... Impossible de recevoir des soins, mais c'est considéré comme des soins, ça, ou pas? Ça y est, elle a canné, là. Là, c'est considéré comme des soins. C'est un soin de 1 HP, ouais, donc ça marche pas. Donc Ombrecoeur, elle va forcément canner ou comment ça se passe? Je peux me déplacer jusque là quand même? Ah merde, j'ai vu. Provoque une attaque d'opportunité quand j'ai cliqué. D'elle, mais ce sera pas suffisant. J'espère qu'elle va pas canner. Hein. Je crois qu'il lui reste un tour. Quand même. Ah non, Broker est. Non, c'est bon. Oh là 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 là. Combat est dur. Il lui reste 21 HP, bichette aussi. Hein. Oula. Ok, canne toi. Merde. De toute façon, c'est cuit, hein, mais bon. Elle est réapparue. Ursula, j'aurais voulu qu'elle fasse son bon écrasant. Sur un maximum de monde. J'ai plus rien. Encore une attaque d'opportunité? Non. Hop là.
Perforation. Il lui reste 16 HP. Ça fait entre quoi ? 3 et 24. Il lui reste 28, 16, 2. Eh bien, écoutez, on va assurer nos arrières. Hein. Ah. Ben, en fait, je l'ai pas tué. Mais ça a fait du mal à pas mal de gens, quand même. Dont les potes, non ? Perforant, c'était une attaque de zone, ça j'ai pas compris, je crois que j'avais visé sur une personne, mais en fait c'était une attaque de zone autour, j'avais pas compris je pense. J'ai pas vu. C'est tout. Forme d'ombre. Critique. Ok. Finito. Finito. Il nous reste que Ursula. Pour très longtemps. Merci à tous d'avoir suivi ce let's play sur Baldur's Gate 3, j'espère qu'il vous plaira, on n'aura jamais la fin, je suis désolée, c'est trop dommage de finir là-dessus. Nous avons payé nos péchés auprès de la dame Char. Bonne soirée à tous. Non mais du coup je sais pas trop quoi faire. Parce que le fait qu'on puisse même pas se heal... Bon courage à Ombrecoeur. Bon, au moins, je voulais voir une première fois le combat. On peut pas se heal et il y a ces problèmes de ténèbres. Donc, je pense que lumière dansante, c'est un truc vraiment important à mettre d'emblée. Ouais, j'ai vu Nyx. J'ai vu, mais après, c'est vrai, je l'ai traversé au début, mais je pensais pas faire un combat aussi hardcore ce soir. Du coup, je me suis dit, vas-y, je profiterai pour le poncer demain après-midi. Le doc pour les conseils de combat. Joue en difficile ? Non, je crois que c'est en équilibré, là. Et les invocations avant le combat, c'est impossible parce que j'ai déjà lancé le truc. Donc en fait, il faudrait que je reload une partie... ici, là. J'en ai chié, c'était en facile. De toute façon, ouais, c'est ce que je voudrais privilégier, c'est les attaques de zone. Angle de bunk. Je doc serait utile, au moins les préparatifs de fight en rechargeant une save plus tôt, parce que je vais faire. Et le doc, je l'avais ouvert en plus pendant mon... Regardez le doc que la communauté m'a préparé. Hello Florence, comme on te l'a proposé Nyx durant ton dernier stream Baldur's Gate 3 et à son initiative, on t'a créé un document qui pourrait t'aider à mieux comprendre ou à découvrir certaines des nombreuses mécaniques du jeu. Sachant qu'il y a pas mal de tips pour des gens qui te découvrent aussi, parce qu'il y a des choses que je sais quoi. Collecter les parchemins de sorts, c'est un truc que je fais beaucoup quoi. Tout looter sur tes ennemis et dans les coffres, c'est aussi un truc que je fais beaucoup. Envoyer au camp si l'on manque d'espace de rangement. Quelques allers-retours à un marchand pour le troc revendre, ça j'ai pas fait ça. C'était pas ça que je voulais mater. Alchimie, moi je le fais pas du tout. Ne rentre pas dans les pièces avec tout ton groupe. Ça, je sais pas. En fait, c'est que... Putain, là, tout de suite, là... J'avais feuilleté le doc vite fait et je me suis dit oui, ça m'a remis un petit peu dedans. Mais je me disais, de toute façon, il n'y a pas de monde où je fais un gros combat ce soir. Je pensais pas que j'allais croiser... Char ce soir. Donc.
Parce que vous voyez. Le doc est bien, mais là tout de suite, là je suis un peu le bec dans l'eau pour pouvoir le comprendre maintenant. Enfin, tout comprendre maintenant et mettre en application maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Celui sur lequel j'ai le plus galéré. Putain, et moi j'en avais trouvé celui avec les myrmidondaires, là c'était lequel, là j'avais trop galéré sur un combat, je me souviens. En fait, je veux bien, je me suis dit en fait justement quand j'étais là, peut-être qu'il faut que je fasse l'invocation de Deva et tout, mais je voulais pas niquer l'immersion du truc. Donc invoquer Deva, je veux bien. Bien les positionner dès maintenant pour essayer de préparer le fight. À la rigueur, tu vois, je pense que Karlak va venir avec elle. Non, Karlak va aller ici. Et Deva va aller là. Elle va l'aider. Ombrecoeur, Ursula, elle va se faire souiller au milieu, là. Et le truc, c'est que je suis pas sûre que je puisse faire festin avec allié planaire. Je me demande si c'est pas un sort de niveau 7, le festin. La colonne, il faudrait vraiment l'utiliser parce que je crois que si je dis pas de conneries, c'est un sort de zone. Je pense que je pourrais l'utiliser que deux fois. Ouais, festin des héros, c'est un truc d'emplacement 6. Et je l'ai déjà utilisé pour allié planaire. Ursula peut faire le festin, je crois pas qu'elle ait cette... Non, je crois que le truc niveau 6 que j'ai, c'est rayon de soleil, moi, que j'ai. Oui, je peux préparer avec K et tout machin, mais... Mais en fait, festin, ce que j'ai pas compris, c'est que... Après, c'est obligatoire, parce qu'en fait, je peux pas me heal. Donc tous mes sorts de heal ne servent à rien, en fait. Donc il vaut mieux que je change des trucs en cours de route. Hein. Par exemple, la guérison, il n'y a aucun monde dans lequel ça me servira dans ce combat. En fait, festin des héros, c'est beaucoup mieux. Après, le mur d'épines, c'est un truc de zone ou pas? Après, je suis pas sûre que ça fonctionne contre eux, mais... Mur de zone, ouais, peut-être mieux que rayon de soleil, du coup. Après, rayon de lumière brillante qui brûle et aveugle toutes les créatures qui se trouvent sur son chemin, ça fera pas de la lumière pour autant, en fait. Bon, après, globalement, tous les sorts de niveau 6 sont très forts, hein, mais... Mais ça sert à rien de gagner mes sorts de soins comme je peux pas me heal comme il y a froid glacial en H24. J'en aurai toujours, je vais pas tous les virer, mais en fait, la plupart, ça me prend juste des slots de façon inutile puisqu'on peut pas se heal avec froid glacial. Ça m'a remotivé à recommencer une campagne Baldur's Gate 3. Mur d'épine, je suis tentée de prendre mur d'épine hein, à la place de rayon de soleil. Les myrmidondaires, on va le garder. Il y a le fléau d'insectes, soin de groupe. Mettre fléau d'insectes à la place de soin de groupe, hein, je pense. Pareil, ça va être un sort de zone. Et peut-être qu'à la place de métamorphose, il faudrait que je prenne invocation d'être sylvestre. Mort simulée, je m'en sers pas. Hein. Est-ce que froid glacial, c'est de la concentration de leur côté?
Est-ce que c'est un sort de concentration? Parce que là, je vois tempête de neige fondue invoque une tempête qui interrompt la concentration des lanceurs de sorts. Peut-être qu'ils l'ont tous et que c'est niqué, en fait. Oui, non. Ah. Non, ça interrompt pas. Ok. Bourrasque. Rayon de lune. Les myrmidons d'air, faudrait que je l'évoque maintenant. Enfin, c'est pas forcément un myrmidon d'air, qu'est-ce qu'il faudrait plus d'ailleurs? Invisibilité, fléau d'armes électrifiées, vortex déchaîné, boue en métal, projection de boue, excavation. C'est plutôt quel myrmidon vous me conseillerez? Ou quel élémentaire, peu importe. Peu importe. Boue de métal. Croix glaciale, surtout pour frustrer le joueur, mais sinon c'est pas trop fort. Bah en vrai c'est fort de pouvoir empêcher le heal. En vrai ça fait pas tant de dégâts que ça sur le coup, mais c'est vrai que... Enfin ça fait... Le fait que tu puisses pas te heal alors que... Bah Ombroker c'est littéralement ma healeuse. C'est compliqué en fait. Ouais, les parchemins, c'est un truc, c'est un défaut de ma run, c'est que j'utilise pas assez les parchemins. Oh. Je poncerai le doc, Nyx, merci beaucoup de l'avoir fait. Je pense qu'il va servir à d'autres personnes aussi. Je vais le poncer le doc, mais là, je l'ai regardé en travers et je pensais vraiment pas me taper un truc aussi dur ce soir. Et surtout, je pensais pas que vous alliez me dire que c'était un des combats les plus difficiles du jeu. Myrmidon de feu. Allez, on est parti pour Myrmidon de feu. On a ça. Lueur féerique peut annuler le fait de ne pas voir les ennemis dans les ténèbres, mais ne dissipe pas les ténèbres. Il faut un sort de dissipation comme lumière du jour. Utiliser des potions de soins, je suis pas sûre, non. Non, je suis vraiment pas sûre. On sort en haut à droite. Ah, celle-ci. Ah oui, j'étais partie sur lumière d'enceinte, mais en fait, j'ai lumière du jour. Je les confondais tous les deux, alors. Ok. On peut faire ça. Non, pas de soins. Ok. Mais ça sert à rien que je le mette à l'avance, lumière du jour. Oui. Elle invoque d'être Sylvestre à droite. Ouais, je sais. Merci Alice. Il faut que j'identifie les ennemis qui invoquent, mais c'est ça le problème, c'est que j'ai pas vu. Être Sylvestre, je crois que j'ai jamais fait. Oh, smash de fou. Smash de fou. Dryade. Ouais, mais enfin 22, elle va se faire bousiller en 2 secondes. Hein. Et les parchemins. Ouais, vous allez hurler en fait. C'est pour ça que j'utilise pas les parchemins, c'est que si je fais ça, vous allez tous hurler. Thank you.
Non, passer en facile, il y a zéro honte. Oui, bien sûr, mais en fait, je voudrais au moins faire le combat comme ça. Et à quel... suivant comment il se passe, éventuellement repasser en facile, mais... pas eu le temps d'hurler, je me suis évanouie devant l'inventaire, désolée. Ah, mais j'ai eu le CDI, là. Hein. Mais alors, je sais pas lesquels seraient intéressants, quoi. Après, j'ai second mariage, aussi. Connor là. Mais Connor il peut taper ou il sert à rien là. Grand coup. Ah ouais, tu parles. On l'avait oublié celui-là. Let's go le goat. C'est vraiment le goat lui. Connor c'est vraiment le goat qu'il pense être. Parchemin, donc on a ça. Et après invulnérabilité, mur de glace, porte dimensionnelle. Amitié avec les animaux, je pense que c'est très pertinent ça maintenant tout de suite là. Parchemin d'éclair, dard de la guerre, cône de froid. Bah écoutez, on fera au feeling hein. Il y a un petit bug là. Le cool c'est Connor qui va mettre le coup final dans ce combat. T'as vraiment plein de parchemins très très cool pour t'amuser pendant le fight. Ouais, le problème c'est comme je l'utilise pas, bah je les connais pas en fait. C'est une erreur hein, de ma part hein, mais en fait c'est aussi un petit peu le revers du truc d'être en stream. C'est comme je vais pas passer mon temps à tout lire parce que je lis déjà beaucoup dans ce jeu. Bah il y a des trucs que je connais très mal quoi. Et du coup je reste un peu dans les mêmes trucs que j'utilise tout le temps. Mais d'ailleurs c'est un défaut que j'ai global dans les jeux vidéo. C'est quand j'ai compris qu'il y avait un truc qui entre guillemets fonctionnait, je reste là dessus. Et du coup quand on me rajoute des spells plus forts ou des trucs comme ça, comme je les connais moins bien, je les utilise depuis moins longtemps, j'ai tendance à moins y avoir recours. Et écoutez, est-ce qu'on parle là dessus? Non mais elle a une bonne arme en vrai, en fait c'est un truc, c'est la masse de Deva là, c'est fort la masse qu'elle a. On dirait que c'est à chier mais je crois que c'est fort. Hein. On parle là-dessus? Parce que pour moi c'était bien l'arme d'Ombrecoeur, hein. C'est juste que comme c'est une arme que t'es pas censé récupérer, on dirait qu'elle est shitty, on dirait que c'est une pelle alors qu'en fait pas du tout. Ah oui, esprit gardien, vous avez raison. Tu as bu des élixirs? Non. En vrai, son arme est pas terrible pour le combat. Bah, je sais pas trop ce que j'ai d'autre, hein. Après, je peux avoir rayon de lune avec la lance de la nuit de Célunée. C'est intéressant comme elle fait étincelle de lune et rayon de lune. Non, j'ai pas le sang de l'attente, j'ai jamais réussi à la récup. Elle éclaire surtout. Ouais, mais c'est surtout intéressant pour ce qu'on a d'aveuglé et tout. Et la lance de char, je crois pas avoir le truc, hein. Le char, je sais plus ce que c'est.
Non, j'ai une dague rituelle de charme et c'est tout. Parce que du coup, grâce à ça, je peux faire rayon de lune qui est assez fort. Et étincelle de lune, la lueur de la lune éclaire les environs, ce qui complique le déplacement des ennemis tout en augmentant les dégâts du corps à corps de vos alliés. Mais ça dit pas de, d'histoire de ténèbres ou quoi. Hein. À partir là-dessus, hein, je pense. Hein. C'est déjà ça. Je vois pas ce que je peux faire trop d'autre. Si, attendez, j'ai invoqué l'être sylvestre, le myrmidon d'air, Deva. Voilà. Déjà beaucoup mieux qu'avant. La dryade, elle peut invoquer. Bourdin magique, ancien amour. Invoque. Ah, faudrait que j'invoque. Ah, je peux invoquer une guette des bois de la part de la dryade ? Et une résistance et pas de la nature très passif à activer. Altère le terrain autour de vous, ce qui permet à vos alliés proches de se déplacer aisément. Vos alliés et vous n'êtes pas affectés par les terrains difficiles, pas plus que vous ne pouvez être entravés ou paralysés. De plus, vous bénéficiez d'une résistance aux dégâts de poison. Pas mal, non? Ah non, là elle l'a plus. Là elle l'a. Ok, pardon, my bad. Main principale, révocation. Renversée, bénourricière. Croissance d'épines, enchevêtrement et sauter. Du coup, elle invoque un truc à son tour. La guette des bois. Et lui, il peut invoquer un truc. Régénération. Elle récupère 10 points de vie si elle traverse une surface de liane, sauf si elle a récemment subi des dégâts de feu. Ok. Et Deva, il peut invoquer un truc. Non, parce que j'aimais bien l'idée de, des invocations en cascade, ça me plaisait bien. Hein. Match de fou en plus de ça, donc... Pendant ce temps-là, les adeptes de Char ne se doutent de rien et continuent leur petite messe. Le mari zombie, il est parti ? Bah, le mari zombie, je l'avais bien invoqué ! Bon, ou alors... Je peux pas l'envoyer à Carlac ? Est-ce que je peux pas envoyer second mariage à Carlac ? Ah, il y a une limite de temps ! Ah, j'avais pas vu que c'était 10 tours ! Ah, shit ! Carlac qui va invoquer second mariage et direct je lance le truc. Astarion qui va invoquer, il peut invoquer Didi là, comment il s'appelle le corbeau déjà là. C'est pas, si. Do it yourself le corbeau là. Et cours là, tu peux lancer faveur de Kereshka que tu as grâce à ton bâton. Ah merde, de quoi vous m'aurez parlé là? Vous insufflez de l'énergie élémentaire provenant directement de Kereshka, la déesse draconique. Et je le fais maintenant ça? En tonnerre? Sombre hiver, funeste destin, assourdissant, arsenic, grésillant. Ah, attends. Résistance aux dégâts d'acide, de poison, de tonnerre. De tonnerre, vous êtes sûr? Tu as aussi tes parchemins d'invocation d'élémentaire pour Carlac et Astarion. Oh, on n'est pas rendu, hein?
La to-do list est interminable. Tonnerre, et eh bah ben, tonnerre, allez-y. Si ça marche pas, vous êtes responsable. Ok, voilà. Ensuite, on a le corbeau permanent. Il a un PV hein, par contre. Hein. Ok. Très bien. Et pour les parchemins d'invocation, on va taper invocation. Invocation de la cloche à golem. Ah oui, c'est vrai. Appelle le golem de chair de Balthazar au combat. Cet objet ne fonctionne qu'à l'intérieur du temple des épreuves de char. Putain. Et après, parchemin d'invocation d'élémentaire. J'ai ça, sinon. En vrai, c'est un peu un temple de char, je suis d'accord. J'utilise aussi. Un deuxième myrmidon d'air. Alors du coup, quel genre? Parce que l'autre, il est feu. L'autre, il est feu. Vous partirez sur quoi? Myrmidon d'air. Donc R... Oh, en vrai, un authentique myrmidon d'air. Oh, let's go. Oh, c'est le comeback. Le myrmidon d'air. Oh, let's go. Il m'avait trop manqué, le myrmidon d'air. On est bon, là. On a quadruplé nos effectifs. La run est juste gagnée, en fait. Myrmidon d'air, le retour, quoi. Et ensuite, bah, y a second mariage. Et on est parti, quoi. Chacun a son petit pote. Second mariage. Et on est parti. Comment ça, 9 tours restants? Je viens de l'invoquer. Voilà. Ok, bon, je suis désolée, on a déjà fait le dialogue. This is your family. And now you have turned your back on it. The artifact was your last chance to prove yourself. And you squandered it. Gardez le silence, on avait dit. You there. Surrender this one to me now. And you can consider Lady Shah's forces your allies in the battles to come. Là, c'est le moment où vous avez voulu trahir Ombrecoeur et la livrer à 20%, jamais. As you like. Lilala, for Shah! Et là, de toute façon, c'est imperdable parce qu'il y a le myrmidon d'air. Donc à partir de là, plus 10. Et ça, c'est vraiment des news qui ne donnent pas le smile. Hein. Et après, c'est parce qu'on a invoqué beaucoup de trucs. Bon, alors. Artark Sournoise. 48. Paf. Paf. Fin du tour. J'ai un peu envie de voir celle de tap one shot, quoi. Merde, j'aurais dû mettre rage. Ouais, let's go. Ok, il y en a deux en moins, là. Ok, c'est du bon boulot. Ah. Pardon, mais il a crié d'une façon un peu ridicule. Ah, c'est tout, hein. Le myrmidon de feu. Le myrmidon de feu, il peut faire
trappe de cendres. Bon, là, il est pas très bien placé pour le faire, hein. Immolation de Myrmidon. Ah bah non. Par contre, il peut peut-être voler. Ah ça. Il vole là, là. Et là, il fait fiouf. Il a éternué dessus. Bon, c'était pas dingue, hein. C'était pas dingue, mais écoutez, c'est toujours ça de prix. Là, elle va nous casser les couilles parce qu'elle va nous mettre la brume. Cœur égaré. Ok. Cœur égaré sur qui? L'entité va affecter subit automatiquement un coup critique à chaque attaque de Viconia ainsi qu'à des avantages sur ses jets de sauvegarde de sagesse. Si elle veut mettre un terme à cet effet, la créature doit rejeter son cœur égaré en se ralliant à Char et en aidant Viconia au combat. Oh, bah non, hein. Le Myrmidon d'air, ça c'est quoi? Attaque multiple, oh nice. Ou bourrasque primordial, oh. Très bien. Mais attaque multiple, ce serait mieux. Attends, il peut voler. Ok. Attaque multiple, genre... Merde, il aurait dû être en bas, en fait. Tant pis. Il va se prendre une attaque d'opportunité, tant pis, hein. Ah non, mais c'est plusieurs coups violents. Ah, c'est pas mal, en fait. Vas-y. Ok, not bad. Ouais, il y a un petit bug. Je comprends pas trop. Ça a bugué? Il y a un souci, non? Je peux pas valider, hein. Il y a zéro bug, je ne peux pas valider. Non, clic droit, mais non, mais vous doutez, si je vous dis que ça marche pas, j'ai essayé clic droit et clic gauche, je suis pas débile. C'est une fin de tour, j'ai pas le choix. Je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi ça m'a proposé ça après avoir attaqué, je comprends pas. Ok, lumière divine, là, lumière truc, vous voyez? Esprit gardien, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça me protège un peu. Si elle avance, elle leur fait du mal à tous les deux. Paf! Et pef! Après, là, je suis un peu dans un goulot d'étranglement, c'est de la merde. Mais tranquille. Attaque d'opportunité, mage de guerre. Lance poigne électrique sur une créature qui sera bientôt hors de portée. On va faire ça. Paf! Oh non! Oh non, le corbeau, il a même pas eu le temps d'attaquer! C'est horrible! Croissance d'épines. Ou main principale. Paf, on peut faire ça. Pif! Pour lui. Pif! Enchevêtré. Oh, c'est pas mal ça. Gourdin magique renforcé. Votre bâton, votre gourdin devient magique et inflige 6 à 34 points de dégâts contondants à chaque coup. Merde, j'aurais dû faire ça avant. Une force pour Urgourdin. Putain, elle est trop belle, elle smash de fou la dryade, hein. Et lui, il a un truc pour renforcer avant que je fasse de la merde. Enchevêtrement, enchevêtrement. Ils ralentissent les créatures. Bah peut-être elle là, parce qu'elle a beaucoup de PV. C'est quoi la diff entre les deux? C'est la même chose. Il y a doublon? Ah non, 5, 3 mètres et 6 mètres. Ah, attendez. Ah oui, il y a le petit truc, il y a le gros truc. Ok, très bien.
Attendez, il peut voler lui ou pas? Non, il peut pas voler. Ah mais je vais pas piéger mon myrmidon aussi. Le myrmidon il sera piégé ou pas? Ou comme il vole là on s'en fout? Non? Je sais pas. Il peut sauter? Ouais il peut plus sauter là parce que j'ai utilisé un truc d'action mais... C'est pas grave, c'est pas le myrmidon d'air. Non, il sera affecté? On va essayer. Et je crois que elle a pas été touchée. Hein. Lady Shaw's will shall be done. Her foes shall perish. Représailles infernales. Passe mieux quand même. Ok, Ursula. Qu'est-ce que je fais? Je la transforme en oursibou et je tape dans le tas là. Moi j'ai bien envie. Je fais F5 parce que pour l'instant je trouve que ça se passe bien. Oursibou. 200 gratuits à droite. Ah oui, vague destructrice et fracassement. Nerf une onde de choc divin ou malveillant infligeant. Ta 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 ta. Nécrotique ou radiant? Vague destructrice, c'est mieux? Oui, bah je partais là-dessus, hein. Nécrotique. Attendez, je m'avance un petit peu. Best be on my way. Paf. Ah ouais quand même. Et je me transforme quand même en oursibou, vous pensez? Merci Tibi, merci beaucoup pour le 6e mois de sub. Dino Killer également pour les 34 mois, merci beaucoup. C'est pas mal. Et là, je pourrais pas sauter pour... Ah, mais ça m'enlève mon truc de carte. Bah oui, c'est logique. Je peux pas sauter pour faire paf ici. Tant pis. Merci Tibi pour le 6e mois, du coup. Dino Killer pour le 34e mois. Maxou pour le 17e mois. Obron pour le 30e mois de sub. Gabou pour le 40e mois. Merci beaucoup. Il faut focus de vire, bah je veux bien, mais elle est où? Elle est là. Bah, après, j'ai essayé tant bien que mal, quoi. Là, je peux plus faire de choses, ça. Elle sort d'où, elle? Ah, ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Ok. Je suis un peu perdu. Très bien, ok. Infatable, ok, très bien. Raté sur Astarion. Elle est vanish là. Vas-y, pack toi, comme ça je fais paf sur toi là, après là. Oula. Coup critique. Oula, mais Deva. Deva, on se concentre. Elle passe où, elle? Là?
Attaque d'opportunité. Shit. Ok, bah lui, faut lui faire sa fête. Faut lui faire sa fête. Oh, Connor, vas-y, tape. Tape, Connor. Ou alors derrière toi. Non, plutôt elle, là. Et ben 7. Et ben je veux vous dire, c'est toujours ça de prix, on sait jamais, hein. Peut-être lui qui va mettre le coup final, on est d'accord. Aïe. Attaque sournoise ici, là, peut-être. 36, c'est pas mal. Un petit coup de canif. Paf. Bien. Toi, ma biche, il faudrait que... Je t'ai pas mis en rage tout à l'heure, c'était une erreur. C'était une erreur. Toi. Paf. 36, très bien. On va pas réussir à le finish, je pense. Yes. Pardon. Super. Voilà, on va la positionner pour la prochaine... Enfin, parce que ça sert à rien qu'elle soit ici. Incoming. 31 tout pile, la goat, mais c'est juste la goat en fait. Deva par contre, il est pas, hein, il est pas de... Hein, il est pas en forme. Hein. Le petit loup là. On peut peut-être essayer de voler vers d'autres cieux. On provoque une attaque d'opportunité. Casse les couilles toi un peu là. Des avantages. Ouais, mais enfin, comment ça 90% mais des avantages. Ah. Ah. Concentration interrompue. Chè. Chè. Très bien, bravo Deva. Le myrmidon de feu. Il va faire frappe des cendres. Le problème, c'est qu'il est dans... Il voit rien, quoi. Après, s'il vole... Imagine. Il vole jusque-là. Et il fait frappe des cendres. Là. Il leur fait un peu mal, quand même. C'est toujours ça de prix. On est content. C'est toujours ça de prix. Bon. Suivant. Le myrmidon d'air. Le myrmidon d'air, il a un problème. Hein. Le myrmidon d'air, il est bourré. Hein. Ah, elle est dead. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y en a par là-bas ou pas? Oui. On va les laisser venir, on va pas aller au fight. Il y a lui, mais c'est 74. J'aimerais bien essayer de tèche de ceux qui ont moins. Mais alors, ténèbres, ici. 38, 38, 38, 38. Il y a le 3, là. Attends. Et après, ça fait ça. Ouais, c'est comme si c'était un peu buggé, quoi. Merde, je voulais le bouger, mais du coup, ça a fait fin de tour. Ouais, bah niqué. Attends, je peux peut-être annuler la fin de tour. Parce que je voulais le bouger, mais je peux pas. Violent souffle d'air. Je comprends vraiment pas. Et je peux plus le bouger. Ah si, attends, vol. Attaque d'opportunité, sa mère. Il y en a combien? Un ou deux? Ah, quand même! Bah écoute, on va le mettre là. Ah! Pas assez de ressources. Eh bah, tu vas rester là, mon petit, alors. Ombre-cœur. Si elle se déplace par là, elle fait mal à deux. Peut-être même trois. Non, on rêve, je pense. Paf. Elle peut venir en renfort de cela, là. Ah non, elle peut pas se bouger plus. Et il faut pas qu'elle nique sa concentration, donc... Ignis ! Non. Elle est trop loin. Nick. Nick.
Par contre... Rayon traçant, je sais plus, ça nique sa concentration ou pas. Non. Ouf. Nickel. Échec critique. Échec critique deux fois. Bon. Non, c'était pas mal, hein. Non, c'était pas mal du tout. Lui, il est tout aveuglé. Lui, il est tout aveuglé. Il peut peut-être sauter jusque... Ah, il ne faudrait pas qu'il prenne cher. Ah, peut-être ? Attends. Non. Il faut qu'il soit au cac, hein. Dinguerie, ça marche, non? C'est une dinguerie. Ah, concentration interrompue, ténèbres. Oh là là, le goat. Oh, mais juste le goat, en fait. Oui, j'ai failli mettre le bout de bois dans les flammes, mais tout va bien, tout est sous contrôle. Don't worry, je savais ce que je faisais, vous inquiétez pas. Très bien. Moi, j'ai hâte que Ursula les tape dans le tas, là. Paf. Ouf. Plutôt, à votre avis, perforation ou bon écrasant? Je demande votre avis. Avis? Interrogation. Avis sincère, bien sûr. Perfo ? Perfo ? Ah oui, mais bon écrasant, c'est une action bonus, c'est perforation, c'est une action, donc c'est bon en fait. Perfo sans hésitation. Ok, faisons ça. Perfo. Et ensuite, bon écrasant. Où ? Où est-ce que j'en ai le plus ? Là, j'en ai 4. Il n'y a pas un monde où j'ai les 5. Non. Quel était le pourcentage de chance que cette trappe débouche ici? Pas de chance. Merci Fred pour le raid, merci beaucoup, bienvenue à vous. On est sur une run de Baldur's Gate 3, toujours la même depuis un an. J'avais fait une grosse pause pendant ce mois. Et là, je suis en espèce de tunnel vision vers la fin. Donc on fait un fight assez important qui est relié à Ombre Cœur pour ceux qui ont fait le jeu. Et c'est un combat qui est assez difficile et du coup, je galère un peu et je prends mon temps. Mais on est sauvé parce qu'on a un Myrmidon d'air. Alors c'est bon, si on a le Myrmidon d'air, tout ira bien. Est-ce que je me retransforme direct ou pas? Qu'est-ce que vous faisiez au fait? Ah, j'ai pris 73 sur la... moins de 73 sur l'attaque d'opportunité, c'est raide quand même. Hein. Vous faisiez quoi chez Fred? On regardait Fred jouer en... nu en Occam? Bon, c'est pas comme si je pouvais me permettre de faire des jugements de valeur alors que je suis précisément sur Baldur's Gate 3, mais tranquille. Il joue au dernier DBZ, d'accord, très bien. Les mœurs de Monsieur Molas. Merci en tout cas pour le raid, j'espère que vous avez passé un bon live. Du coup, c'est compliqué de vous résumer ma run de Baldur's Gate 3. Je vous présente juste Ursula, qui est une demi-elfe drow. Druide.
qui vient de se faire saboter sa forme sauvage et sur une attaque d'opportunité, ça saoule. Ça saoule, mais tranquille. J'ai presque envie de dire c'est la faute du chat parce que vous m'avez conseillé de faire d'abord perforation, puis bond écrasant, mais... C'est une discussion qu'on aura plus tard. Liane avide, éventuellement. Ça appelle les ennemis à elle ? C'est de la merde ou pas ? Retransfo, bah j'hésite, ouais, je pourrais tanker un peu les... J'hésite. Est-ce que je vais pouvoir retanker retanker les attaques, quoi. Après, j'aurais peut-être dû attendre que sa vie baisse pour me retransformer parce que ça me remonte ma vie. Bref, je sais pas. C'est un jeu de fou, hein. Si vous n'avez pas joué à Baldur's Gate 3, c'est comme faire une campagne Donjons et Dragons, mais sans potes. Personne vous emmerde, tout le monde est dispo quand vous voulez. Vous faites les choix que vous voulez. Trop bien ce jeu. Vraiment l'un de mes jeux préférés all time. Mais je crois que Fred a fait une vidéo dessus, de toute façon, Baldur's Gate 3. J'en ai vraiment plein la bouche de ce jeu, en vrai, franchement. Je pourrais en parler des heures pour vous dire à quel point j'aime ce jeu. Dit-elle alors qu'elle ne l'a pas terminé, hein, je tiens à dire. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah, je crois que la transfo en ours hibou était pas le meilleur move que j'ai eu de ma vie. Ouais, exactement, ouais, ce que je disais. J'aurais dû attendre le tour suivant, je pense. Et du coup, je peux pas me heal parce que je suis affectée par froid glacial. C'est la seule d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qui se passe là, dans ces boîtes jaunes là? C'est qui la personne qui m'a dit de se transformer en ours hibou là? Que je la retrouve, que je l'attrape. Ah. Un de moins. Ok. Et là maintenant il y a lui. Et il y a elle surtout. Est-ce que si je tire dessus ça nique sa concentration? Ça peut non peut-être? Non, trop éloigné. Oui mais je suis con. Comme je suis aveuglée, faut que je fasse que du cac. Et ensuite... J'aimerais bien taper elle, mais d'un autre côté... Ah mais elle, elle fout bien la merde d'Iconia aussi, hein. Allez, vas-y. Attends. C'est vraiment la goat ce qu'elle pense être, Carla, qu'elle a mis 50. Ouh. Paf. Oh, 15. Oh. La goat. Oh, c'est vraiment la goat. Carla, de toute façon, tous les personnages de Baldur's Gate 3 sont bien sauf Will. Voilà. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Toi, tu vas l'abattre, hein. Abattre la citadelle. Paf. Et il lui manque encore 7 PV. Putain, 7 PV. Je peux que révoquer. Non. Le myrmidon d'air. Alors, le myrmidon... Non, c'est le myrmidon de feu, pardon. Le myrmidon de feu... Il va souffler sur les braises de... Il faudrait qu'il se mette là, en réalité. Paf. Et si je fais ça, je ne touche pas notre ami Ursula. Achoum. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ils vont finir par mourir. Hein. Je vous le dis tout de go. Ils vont finir par mourir. Le myrmidon d'air. Il va nous faire une petite attaque ciblée. Des avantages. Bah le problème c'est qu'il est dans le noir lui. Hein. Ou alors, ce qu'il fait. Attaque d'opportunité. Ah non. Hein. Ah oui mais il n'y a pas le choix en fait. Parce qu'il lui reste 12 PV au myrmidon d'air. Hein.
L'ATP. Mais non, c'est pas ça l'ATP. Déplacement élémentaire, si. C'est ça. La cible est trop éloignée. Mais non, ça provoque quand même, ça fait quand même une attaque d'opportunité. Dire que Will est nul alors que Gale existe. Vous voyez pourquoi la démocratie, du jour, c'est pas toujours une bonne idée. Pour ce genre de propos. Oui, mais il voit pas parce qu'il est aveuglé. Donc la seule solution que j'ai, c'est... de faire ça, hein. Taper, hein. Et il est mort. Et il est mort. Il est mort, mais il est pas... Ah non, il est pas mort. Oh bah flûte. Vicona, elle est par terre ensaucissonnée, j'ai l'impression. Elle se tortille. Ombre-cœur. Je peux faire une légère déplacement par là, comme ça, toi, tu prends 12. Et... elle saute, là, elle se prend le feu. Oh. Oh. Il y a un endroit où c'est bon. Non, c'est pas bon, hein. Non, c'est pas bon. Bah, elle va foncer. Si elle fonce, elle peut en tuer plein, en fait. Attendez. Idée de génie. Pardon, le combat est long, mais parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait 2 mois. Du coup, je suis au bout du rouleau. En termes d'habitude. Et en plus, le combat est dur. Paf, 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 paf. Paf. Et voilà. Et voilà le travail. Ok. Ici, on a encore un vilain pas beau. Toi, tu vas abattre la citadelle aussi. Merde. Et mais j'ai encore mon truc de gourdin magique, je crois. Non. Ah non, c'est 8 tours restants. Ça sert à rien donc. Ça sert à rien. Et lui dans le feu là. Il a un petit pote là. Donc ce qu'il peut faire, c'est que... Bonk sur citadelle mist. Bonk. Oh, c'est un petit bonk, c'est un small bonk, mais c'est style bonk. Bon. Et au final, elle peut rien faire si elle peut. Elle peut, c'est juste qu'elle voit Rin. Provoque une attaque d'opportunité. De combien de personnes exactement? Je vois rien. Il y a une flèche. Bah, tant pis, hein. Prends sur toi, Ursula. Ah. Et là, ce qu'on fait... Mets ta vie qu'il faudrait peut-être sacrifier Ombre-cœur un petit coup. Elle a 80 PV sur 87. J'ai envie de vous dire... Et bah tant pis, on va faire l'attaque de zone. Mais je suis même pas sûre qu'on puisse le faire comme on voit rien. Vague tenace, upcasté, level 5. Et okay. Ah, le fléau d'insecte, j'avais oublié aussi. Ah, j'avais oublié le fléau d'insectes. Oh bah flûte. Ligne 1, colonne 1. Oui, celui-là, vague tonnante. Libère une vague de force foudroyante qui repousse toutes les créatures et les objets. Vous voulez pas mon appel de la foudre? Ça vous tente pas?
Ah oui, c'est vrai qu'elle pourrait perdre l'esprit gardien, j'avais pas pensé à ça. La foudre, parce que là on a 1 à 7, 1 à 67, 1 à 13, 1 à 4. Moi je pense qu'il y a moyen de dégager les petites merdouilles, hein. Mets ta vie que. La cible est hors de portée, comment ça mon ref? Ça parce qu'il fait pas jour? Impossible à atteindre? Merde! Bah alors... Ah! Alors que par contre... Bah écoutez, lui on aurait presque oublié, hein. Impossible à atteindre, mais t'es à côté. Mais tu es à côté, littéralement. C'est parce qu'il y a le... Il y a les hauteurs, ça gêne, non? Bah go, hein, sur lui, hein. Pas ce qui m'arrange, mais... C'est vraiment pas ce qui m'arrange, mais écoutez... Ok. Bon. Ok, il s'est TP lui. 3 glaciales sur Carla qu'elle arrive à tanker. C'est bon. 57 et 64. Et toi, tu vas finir par le tuer toi ou on y passe la nuit là? Oula. Oh non, le myrmidon d'air. Oh non! Le myrmidon d'air! Critique paralysant. Attends, il lui reste combien de PV à la gueuse là? Je sais pas à quel point c'est intéressant de l'utiliser sur elle. Pas assez, pas worse, bah, c'est ce que je me dis, ouais. Ah bah elle est même morte, hein, carrément. Non. Donc oui, c'était effectivement vraiment pas worse. Je sais pas qui l'a tué d'ailleurs. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. J'ai pas utilisé ça. Bah, main principale, ceci, hein, c'est nul, mais bon. C'est nul. Est-ce que Karlak, elle peut... Parce que je pense que Astarion, il va réussir à la finir avec la dryade, là. Quoique, est-ce qu'on assurait pas nos arrières? Mais en même temps, Ursula et Ombrecoeur, elles ont vraiment besoin d'aide, et là, faudrait un peu écumer, quand même. Est-ce que j'ai assez de déplacement? Oui. Trop fucker. Bon. Et en moins, là le trash mob. Ah merde, j'ai plus assez de. Ok. Peut-être à l'arbalète. Lui, il a combien lui? 36, 7, 4, 13. Allez, 7. Hop là, finito pipo. C'est bon, on écume. Ombrecoeur se déplace, je pense qu'il y a moyen qu'elle puisse tuer les autres. On finit là? Avec un peu de chance là, c'était le dernier à mourir je pense. Et toi tu vas te déplacer, tu vas rejoindre tes petits potes, d'accord? Coup de go. Voilà, ça commence à bien faire. Hop là, myrmidon d'air. Myrmidon de feu, pardon. Péo, myrmidon d'air. Bah les deux, je peux les finir là, non? Achoum! Pas très agréable cette histoire. Ok, il nous manque qui? Il nous manque ici. Ici. Ici.
Et il est où, Connor? Depuis combien de temps il est mort, là? Je sais pas. Ok, donc lui, terminado, pipo. Finito. Ombre cœur, elle pourrait... Elle saute ici. Elle fait mal à l'autre, je pense. Hop là. Rayon traçant, again. Ou peut-être pas sur lui, peut-être sur un autre. Trop loin. Trop loin. Bah sur lui, hein. Mais c'est vraiment à côté, c'est dommage. Paf. Quoi? Paf. Quoi? Paf. Je sais pas si elles nous aident bien, les invocations d'invocation. Hein. Ok, super. Très bien. Paf. Dead. Il nous manque lui. Non. Là. Non, mais il va pas casser les couilles à tout le fond, lui, quand même. Ah non, hein. Ah non, hein. Dois bénéficier d'un avantage contre la cible. Mais tu l'as, ton avantage contre la cible. Mmh. Des fois, je comprends pas pourquoi il l'a. Pourquoi il a un debuff? Résistance aux dégâts de poison. Pourquoi ça pose problème, là? Il y a même pas de ténèbres. Je comprends pas, ça, ce truc-là. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre. Pas caché, pas de buff. Tu me mets derrière lui. Tu me mets encore plus derrière lui. Ah non, maintenant je vais prendre une attaque d'opportunité dans sa, dans ma gueule. Bon, tant pis. Ça a interrompu sa concentration. Il lui reste 32 PV. Ah, c'est vraiment, c'est un peu de la merde là. C'est un peu de ma faute aussi. Qui c'est qui reste? Là-haut, là, faudrait sauter. Petit kangourou que Karlak est va se joindre à cette aventure. Paf. Bon, on finit. Hop là. Il nous manque plus que le petit là. Alors il est loin, Karlak elle l'aura jamais, elle a pas assez de points de déplacement là. Non. Vol. Et paf. Ouais. Que 2 PV. C'est mon nom de feu qui va réussir à le finir. Enfin, ça aurait été le myrmidon d'air, ça aurait été trop beau quoi. Ça aurait été une fin à la hauteur. Et voilà pour la fin de ce combat. Putain. Putain. F5 instant. Merci pour vos conseils parce que c'était la galère ce fight. Hein. Mais avec toutes les invocations, bah, on avait beaucoup plus de persos qui pouvaient jouer. Et surtout, on n'a pas eu froid glacial dans la gueule en fait. Pas mieux gérer que moi. Ouais, mais j'avais tout un chat Twitch, l'intelligence de la ruche là. Hein. Vraiment hyper propre en seulement 2 tries. Ouais, ouais, franchement, le... y a rien à voir avec les tries. Hein. Mais c'est vraiment les invocations d'invocations d'invocations qui ont tout changé. Hein. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci Soulish pour le 31e mois de sub. Big Santé, merci beaucoup pour le 13e mois. Flacune pour le 26e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vraiment un fight dur et je suis pas sûre que j'y serais arrivée sans conseil du chat. Je pense que j'aurais trop galéré, quoi. Je pense que j'aurais vraiment trop galéré. Donc, Connor, il est mort, on s'en est pas rendu compte, hein, je tiens à dire quand même. Hein. Ça, c'est un peu triste quand même, cette histoire. Hein. Grande nouvelle, une agréable odeur de papier et d'encre se dégage de ce livre.
est-ce que je ferais pas un petit pipi? Quel était le pourcentage de chance que cette trappe débouche ici? Ah, flûte. Je vais aller faire pipi. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup pour le raid, merci beaucoup, bienvenue à vous. On est sur Baldur's Gate 3, alors c'est compliqué de vous faire un petit résumé de la run, parce que voilà, mais je ne peux que vous inciter à jouer à Baldur's Gate 3, qui est un jeu absolument incroyable. Si vous aimez les jeux à histoire et les jeux longs, hein, parce que c'est un jeu qui est vraiment très long, ça fait un petit moment que je suis sur cette même run, je n'ai jamais fini le jeu encore. C'est vraiment le principe... Ouais, vous êtes sur Alice Attorney, ouais. Le principe, c'est vraiment une campagne de donjons et dragons, mais tout seul et sans potes et au rythme que tu veux. Et c'est vraiment trop trop bien et le jeu est vraiment une merveille. C'est vraiment l'un des meilleurs jeux vidéo all time. Il y a plein de jeux qui ont l'air très fades après avoir joué à Baldur's Gate 3, je trouve, notamment au niveau de l'écriture des personnages qui sont d'une nuance et d'une... comment dire... avec des expressions faciales qui sont si convaincantes, enfin bref. J'ai pas envie de finir la run parce que je pense que je vais me sentir très vide à la fin. Et 70 heures en first run, c'est pas loin. C'est vraiment pas loin. Et du coup, je vous conseille vraiment d'y jouer si vous avez pas encore eu l'occasion et de refaire des runs si jamais vous avez déjà joué, parce que vraiment j'en ai plein la bouche et je pourrais en parler des heures de ce jeu tellement je le trouve incroyable. Raphaël, très bien écrit aussi. Ah non, mais tous les persos sont trop bien écrits. C'est incroyable. Du coup, on est sur la fin, on est dans l'acte 3. On est sur la fin de l'arc de Ombrecoeur. Voilà. Je vous le dis sans trop en dire pour ceux qui voudraient se carapater parce qu'ils sont en pleine run et ou qui veulent faire le jeu prochainement. Il y en a un qui est pas... En vrai, oui, il est pas mal écrit. C'est pas vrai. Il est pas mal écrit, mais il a un peu ce syndrome du héros de film un peu vanilla de super-héros, quoi. C'est vraiment l'un des meilleurs jeux all time, je trouve. Et en fait, il est un peu trop good guy, je trouve. Il est ultra vanilla, là où tous les autres personnages sont tellement... En fait, c'est juste que Will est vraiment un personnage qui est cool, mais en fait, quand t'as d'autres personnages comme Ombrecoeur, Astarion, Carlac à côté, enfin... Darion a supprimé une bonne partie du contenu de la quête Will juste avant la sortie du jeu. Oui, je sais que Will, c'est l'un des derniers persos. Mais bref, c'est... En vrai, Will est pas si mal écrit. C'est juste qu'il fait pas le figure à côté des autres personnages qui ont une profondeur et un attachement comme Jaja. Et moi, j'ai trop hâte aussi de jouer un peu plus avec Will, parce que Gale, parce que c'est un personnage que j'ai pas assez exploité. Et genre qui me plaît vachement. La prochaine run que je ferai, de toute façon, je la ferai avec Laezel, Gale, et je sais pas qui c'est que je vais prendre en troisième. C'est vraiment un incroyable jeu. Merci Antoine pour le raid, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon live. Et là, on vient juste de... Et Mintara, ah oui, Mintara, ouais, de fou. Et là, on vient juste de finir un combat qui est assez difficile, et du coup, j'ai besoin de tout loot. De tout regarder et surtout de continuer l'histoire, parce qu'elle est où la petite... Ouais, là, Viconia, on va encore avoir des interactions avec parce qu'elle est assommée, quoi.